Et salut à toutes et à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du Road to Ligue 1, donc le premier vous a vraiment plu, donc vous attendez le deuxième. C'est vrai que ça faisait un bon moment que j'ai sorti le premier épisode et pas le deuxième. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. C'est qu'il y a eu les TOTS, donc voilà, j'ai vraiment pas été sur ce compte depuis au moins un mois facilement. Vraiment, après la fin de l'épisode 1, je suis pas du tout retourné sur ce compte. Vu qu'il y avait les TOTS et tout, j'étais vraiment occupé par les packs opening. Donc voilà, là j'ai repris la charente sur ce compte depuis une semaine et demie, deux semaines. Et on va se faire de beaux bénéfices, vous allez voir durant cet épisode. Donc la première vague de Tech 650, je vais pas vous expliquer, hein, vous avez vu le premier épisode. Si vous n'avez pas vu, allez le voir. Donc voilà, j'achète les joueurs à 650 crédits en enchère. Je répète, vous prenez des joueurs avec des bonnes stats, qui jouent dans des bons championnats, et vous les relistez à 1100, 1200 crédits à peu près. Lâchez les médias, voilà, vous les chopez à 650. C'est une technique efficace. Vraiment, ça pour commencer, pour se faire 20-30 000 crédits, c'est parfait comme technique. Après, si vous voulez faire de plus gros bénéfices, c'est vrai que je vous invite à faire une autre technique. Donc voilà, ensuite on va enchaîner avec une autre technique d'achat-revente. Donc c'est pas une technique que j'ai fait beaucoup durant l'épisode. Un Ibarbo que j'avais acheté de base, le moins cher du marché en achat immédiat, 2100 crédits. Je lui ai rajouté un petit style finisseur, voilà, et je vais rester à 4000 crédits, histoire de se faire mieux à peu près 2000 crédits, un petit peu moins la taxe. Donc voilà, c'est une technique, on se fait des beaux bénéfices. Sauf que voilà, il faut acheter des styles et tout, c'est assez chiant. Voilà, j'ai acheté quelques styles les moins chers du marché. Et je vais lui mettre honnêtement cette technique, je vous la conseille pas trop parce que c'est vrai qu'il faut acheter les styles et tout, c'est assez chiant. La technique qu'on va faire après, elle est beaucoup plus efficace et elle est très très simple, vous allez voir. Vous allez voir donc, je vais lui relister celui-là à 3900, 4000. Voilà. Et donc voilà, on a 7 joueurs vendus. Donc déjà, on a les joueurs de la première vague de Tech 650. Donc Farfan, Begovic, Martinez, Ruffier, McGeady et Leno, comme vous voyez. Comme vous le voyez, on a déjà un des Ibarbo qui est parti également. Donc on enchaîne encore avec 2-3 joueurs en Tech 650. Et après, on va passer sur une autre technique très très efficace. Celle-là est bien aussi hein, pour se faire des beaux bénéfices, des beaux petits bénéfices. Mais c'est plus pour les petits budgets. Et on se fait 500, 600, 700 crédits de bénéfices. C'est déjà pas mal, mais bon. Honnêtement, on peut se faire plus. Donc voilà, les deux Ibarbo et le Mkhitaryan et le Caléron sont partis également. Donc voilà, là on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses, on va dire. Donc, par exemple, je vous explique, c'est le tuto que j'ai fait sur ma chaîne, le dernier tuto d'achat-revente. Je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description. Donc en gros, vous essayez de mettre Diego Costa, par exemple, vous mettez son achat immédiat les moins chers, jusqu'à ce qu'il y ait moins d'une page. Et vous regardez s'il y a un style et pas mal de contrats intéressants. Et là par exemple je vais trouver un catalyseur avec plus de 20 contrats. Voilà, Isco, œil de lynx, 24 contrats au moins cher du marché en achat immédiat. Enfin dans les moins chers. Donc voilà, et vous leur listez en fonction du style, en fonction du nombre de contrats, vous leur listez à 1000 crédits, 1200, 1500, 2000, ça dépend vraiment du nombre de contrats et le style qu'il a. Là un Schweinsteiger ombre aussi c'est très bien pour un milieu central. Après ombre c'est plus pour les défenseurs, c'est vrai que pour les défenseurs les styles idéaux c'est pilier qui marche très très bien parce que ça rajoute de la vitesse, ombre et sentinelle c'est vraiment les trois styles qui marchent le mieux, plus une vingtaine de contrats c'est parfait. Pour les gardiens vous prenez les styles bouclier, les styles chat, après voilà les styles gants, mur ça passe aussi, hein, y a pas de problème. Mais ça part beaucoup mieux quand c'est bouclier et gants c'est vrai, chat pardon. Pour les milieux bah, vous prenez moteur, ça marche très bien. Vous prenez catalyseur, c'est parfait, voire maestro. Et pour les attaquants, vous prenez œil de lynx, chasseur, éventuellement vista aussi, voilà. Finisseur aussi, si vous... Enfin, en fait, ça dépend, hein. Vraiment tous les styles marchent quasiment, il faut juste qu'il y ait quand même pas mal de contrats. Après, voilà, je vous l'ai dit, les meilleurs styles, c'est ombre, c'est chasseur, c'est catalyseur, c'est œil de lynx, c'est pili, voilà. Il y a des styles qui ressortent du lot, mais après, tous les styles marchent pour la plupart. Donc voilà, vous voyez des Falcao, des TS, Van Persie, Piqué, tous ceux-là sont partis, ça part vraiment très vite, hein. Franchement ça part au bout de maximum 3-4 relistages, vraiment tout est parti, moi ça m'est arrivé de tout vendre en un relistage, vous allez voir à la fin de cet épisode, la toute dernière vague là, une dizaine de joueurs, j'ai listé ça en deux fois et les 10 sont partis en deux fois, donc c'était vraiment une belle affaire, bon listé ça deux fois juste les gars, c'est une technique très très efficace qui marche très bien. Un Casillas avec un style chat, un Godieu avec un style chasseur et 46 contrats, ça c'est une très bonne affaire. Que j'ai chopé à 5200.
je vais lister plus cher. Sirigu, bouclier. Voilà, Sirigu, il marche très bien. Vous prenez tous les joueurs qui coûtent entre 2000 d'achat immédiat et 10 000 à peu près. Pas plus que 10 000 parce qu'après il y a la taxe qui est assez élevée. Voilà, je vous montre aussi que j'avais acheté un Falcao au passage, que j'ai listé, que j'avais acheté 4000, que j'ai listé à 5700. Schweinsteiger est déjà parti avec son style moteur, donc voilà. Donc vous prenez, oui, je vous ai dit, les joueurs qui coûtent moins de 10 000 crédits parce qu'après il y a la taxe assez élevée, c'est vrai. Et du coup, quand il y a la taxe, vous faites de moins gros bénéfices. Donc on enchaîne encore avec des Falcao, œil de lynx, donc une trentaine de contrats, c'est parfait. Faut quand même qu'ils aient un minimum de, je dirais, 92-93 de forme quand même. 90 ça passe, mais après c'est vrai que c'est un peu plus galère pour les revendre. Un Van Persie chopé à 4700 crédits que vous allez relister. Je vais relister à 6100. Hein, vous faites des beaux bénéfices. Hein. Là, Godzeuil de Lynx, 30 contrats, la forme au maximum, c'est vraiment parfait ça. Les joueurs comme ça pour la technique, c'est une technique très très bien. C'est celle que je fais tout le temps sur mon compte principal maintenant. Et pour moi, c'est une des meilleures techniques que j'ai trouvées cette année. Enfin, celle qui marche le mieux, les bénéfices les plus efficaces. Après, je sais pas si elle a déjà été faite par d'autres gens sur YouTube. En tout cas, j'ai trouvé cette technique et je la trouve vraiment efficace. Voilà, Schweinsteiger, style ombre, acheté 6600. Là, je vais pas me faire d'énormes bénéfices parce que c'est vrai qu'il y a la taxe sur les Schweinsteiger qui est assez élevée, même si la Savard a de la marge. Fabregas, 11-63 contrats, ça c'est très très bien. Ombre pour un milieu central, bon, c'est pas. C'est vrai que c'est pour les défenseurs à la base, mais bon, on va dire que ça passe pour les milieux. Par contre, allez pas acheter un attaquant avec un style ombre, c'est vrai. Donc voilà, tout est parti. Hop, donc vous voyez vraiment tout part. Donc on va enchaîner avec une nouvelle vague de joueurs. Vous allez voir vraiment qu'à la fin de cet épisode, on va se faire de très beaux bénéfices. Ça va être un épisode assez long, je pense, une dizaine de minutes. Mais voilà, c'est vraiment, je tenais vraiment à bien vous montrer cette technique. Une très bonne technique, vraiment faites-la. N'hésitez pas si vous avez, faut avoir, ouais, 4-5 000 crédits et vous pouvez déjà commencer. Vous prenez les mêmes joueurs que j'utilise là. Vous prenez les joueurs qui coûtent entre 2000 d'achat immédiat et 10 000. Vous, enfin, 2000 après, c'est, voilà, si c'est à 1700, c'est pas grave, mais dans cette vague-là, et vraiment ça marche. Lame catalyseur, ça c'est très très bien, catalyseur pour MDC. Donc on va relister, voilà, TVS finisseur, 25 contrats aussi. Vous voyez sous vos yeux, hein, vous avez juste à regarder. Vraiment une technique qui marche très très bien, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, aussi je vous informe vite fait que vous verrez pas de vidéo pendant une semaine sur la chaîne parce que je serai pas chez moi pour faire des vidéos. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas trop de vidéos sur la chaîne durant la semaine qui suit. Donc voilà, Diego Costa également, chez les niches, style pilier, hop, 24 contrats vraiment. On a chopé à 2600, je vais leur lister, vous allez voir. À 3700 d'achat immédiat ou 3900 plutôt. Vraiment pilier, c'est le style parfait pour un défenseur central parce que ça rajoute de la vitesse. De toute façon, tout ce qui rajoute de la vitesse, vraiment, c'est ce qui marche le mieux, faut pas se cacher. Artiste qui marche plutôt bien aussi, ça passe, on va dire. Après voilà, il y a des styles préférentiels que d'autres, mais globalement tous les styles marchent. Hein. Balotelli qui marche bien, Udelinx. Chopé à 3500 crédits. Voilà, vraiment, vous allez voir que les bénéfices vont être très importants, je trouve, pour un deuxième épisode. Donc on ira s'acheter le premier joueur à la fin de l'épisode. Je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite. Voilà, aussi un petit William que j'avais chopé après, donc œil de lynx, que j'ai chopé avec pas mal de contrats, 25. Acheté 1600 d'achat immédiat, donc dans les moins chers du marché pour les William. Je vais le relister à 2900 crédits, voilà, on va se faire quelques petits bénéfices. Hop, et vous allez voir que vraiment tout va partir, les gars, je vous montre, voilà, 9 ventes, donc tout est parti. Donc Isco est parti, Tevez est parti, Cuadrado, Lam, Chiellini, Balotelli, Diego Costa, Willian, Hummels, vraiment tout est parti les gars. Donc vous voyez qu'on a 43 000 crédits, donc c'est un très beau bénéfice je trouve. Vous allez voir tout de suite qu'on a démarré l'épisode. Cet épisode là on a démarré avec 10 060 crédits et crédits à la fin 43 316, donc on s'est fait un bénéfice de 33 256 crédits. Un très très beau bénéfice pour déjà le deuxième épisode, je trouve que c'est vraiment bien. On a bien avancé dans la série déjà. Donc voilà, un petit like, ça fait toujours plaisir pour m'encourager à continuer. Surtout voilà, ça me prend du temps à faire le montage et tout. Faire l'achat en vente, c'est pas le plus dur c'est de faire le montage. Enfin, d'assembler toutes les parties et tout.
Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu et surtout aidé à vous de votre côté faire de l'achat-revente. Vraiment, n'hésitez pas à faire cette technique, les gars, elle marche très très bien. Donc vous voyez, 33 000 crédits pour un deuxième épisode, c'est vraiment bien. On va démarrer l'épisode 3 avec déjà 43 000 crédits, donc on va avoir une bonne base de crédits pour démarrer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à venir me follow sur Twitter pour être au courant de mon rythme de sortie des vidéos. Vraiment, c'est important, je vous informe de tout. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. Moi, je vous dis à la prochaine, où vous allez voir juste l'achat du premier joueur sous vos yeux. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Elias. Adios.